Ils repartent tous, les mains chargées. Ces Français ont franchi les Pyrénées pour venir faire leur provision de cigarettes. Une excursion de quelques heures, mais pour eux, le jeu en vaut la chandelle. Je fais 210 euros d'économie là, pour 6 cartouches. Il n'y a pas photo, quoi. En France, j'en aurais eu pour 420 euros. En moyenne, 15 euros de moins par cartouche. À ce prix-là, venir en Espagne est devenu une habitude pour de nombreux frontaliers. Certains organisent même des achats groupés. Pour la famille, les copains. Et à la veille d'une nouvelle augmentation, il y a forcément un peu plus de Français que d'habitude. Demain, ça augmente encore, oui, de 40 centimes. Il faut venir aujourd'hui. Et ils sont nombreux dans le même cas. Oui, la semaine avant de l'augmentation, toujours il y a des mondes oui, qui prévoient. Le public français, c'est la plusieurs part de clients, évidemment. Des Français qui l'affirment tous ici. Ils continueront à faire le voyage, du moins pour le moment. On n'est pas à l'abri non plus que ça augmente un jour aussi en Espagne et qu'on n'y retrouve plus notre intérêt. Les salaires ne bougent pas aussi, quoi. Si les salaires bougeaient, augmentaient autant que les cigarettes. À ce jour, plus de 20% des cigarettes fumées en France sont achetées à l'étranger.